Toutes ces voitures que vous voyez là ne sont même pas les 1/10 de ce que nous avons en stand-by. En fait, moi je suis venu de notre côté pour vous montrer actuellement ce qu'il y a. Je vais vous montrer ce qu'il y a comme attente et tout ça. Et vraiment solliciter l'ONU et la CEDEAO de revoir leur situation. Regardez tous ces gens-là assis par terre. Revoyez votre situation et s'il vous plaît, ouvrez-nous les frontières, on veut rentrer. On veut rentrer. Ouvrez-nous les frontières, nous vous en supplions. Ouvrez-nous les frontières. Et donnez un autre délai, s'il vous plaît. Nous souffrons. Il y a des gens qui ont fait 48 heures. Il y a des gens qui ont fait 72 heures. Il y a des gens qui ont fait 24 heures. S'il vous plaît. Aidez-nous. Ouvrez les frontières. Regardez de vous-même. Là, c'est juste sur le pont qui traverse les frontières. C'est le pont. Quoi. Ne t'arrête pas. Je vous en supplie, regardez. Et ça continue. Ça continue. C'est une queue non qui n'a pas de fin en fait. Vous voyez, et ça continue. Je vais vous montrer juste le pont et puis revenir. Nous vous supplions, Irkoïni Gogara Mwareda, que ce soit la souveraineté nigérienne, que ce soit l'UMOA, que ce soit la CDAO, s'il vous plaît, libérez-nous, on va partir. Libérez-nous. Regardez, je vais vous montrer un peu comment les gens sont assis ici. On est fatigué. S'il vous plaît, ouvrez les frontières. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Wallahi, ouvrez, s'il vous plaît. Beaucoup nous mettent, beaucoup quand on va y m'aider, c'est Irkoïni Gogara Mwareda. Donnez vos... Ah, ils vont entendre et puis voilà. Regardez tout ça. Regardez s'il vous plaît. Regardez, il y a des femmes enceintes parmi nous. Il y a des vieux parmi nous. Il y a des gens malades parmi nous qui veulent rentrer. S'il vous plaît, ouvrez les frontières, on va passer. J'ai compté au moins 245 camions et 16 bus. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Trois, c'est trop. 24 heures sur une frontière. Imaginez une femme qui se lave pas pendant 24 heures. S'il vous plaît. Non.